Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être de plus en plus nombreux à regarder ces petites vidéos sur l'explication des mots. Vous êtes de plus en plus nombreux à me regarder. 17 milliards aujourd'hui. J'ai appris hier que cette rubrique était traduite aussi en mandarin et en mongol. Donc merci à vous. Alors le mot d'aujourd'hui, c'est un mot très facile, il va à peine s'inscrire que vous allez le découvrir immédiatement. Mais bon, c'est cadeau, quoi. Il faut de temps en temps aussi... C'est un mot que l'on n'utilise pas, qu'on n'utilise plus. Hein. En tout cas, moi, je l'utilise jamais dans mon vocabulaire. Non. Ce mot-là, c'est Nyctémère. Nyctémère, que veut bien pouvoir dire Nyctémère? Je crois que c'est clair. Bon, bah, c'est un gamin qui est né de plusieurs mamans. Quoi? Je sais pas comment il a fait, mais il est né de plusieurs mamans. Et du coup, quand il s'engueule avec ses petits copains, des petites racailles, là, tu vois, méchantes, teigneuses et tout. C'est ouais, Nyctémère. Pour le faire du mal, quoi, tu vois. Je pense que... Je crois que c'est clair. Ouais, vas-y, Nyctémère. On va chercher dans le dictionnaire. Alors, Nyctémère, Nyctaras, Nyctémère. Alors, que veut bien pouvoir dire Nyctémère? Ça m'énerve. C'est jamais le bon truc dans le dictionnaire, ils disent toujours des conneries, comme par hasard, et c'est celui que j'ai en plus, quoi, tu vois. Mais il vient d'où ce truc, là? Il vient du marché aux puces, il a été acheté en 1933, c'est pas possible. M'énerve. Nique la tienne. Oh. Bon, ben c'est pas ça, c'est pas grave, hein. On se retrouve la semaine prochaine. Salut. M'énerve.